Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 5 mars 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Montsoreau. Troisième course de la Réunion 1, où 15 trotteurs âgés de 7 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce dernier quintet plus du meeting hivernal 2021-2022, nous allons assister à une course de fou. Beaucoup espérant terminer en beauté, il ne fait aucun doute que les leaders feront du rythme et que tous voudront occuper la meilleure des positions durant le parcours. Au terme du tracé classique des 2700 mètres de la grande piste, il n'en restera qu'un et espérons que ce sera notre favori. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 5, Eddy du Pomereux. Sylvain Roger l'aime beaucoup, le trouve en très belle condition physique le matin, et comme Mathieu Mottier est au commandé, que le cheval est déféré des postérieurs sans les F cette fois-ci sur la route, il peut espérer renouer avec le succès. En deuxième choix, le numéro 1, Ingo. Il vaut assurément mieux que sa récente sixième place et il faut le reprendre en confiance car ses tentatives précédentes étaient excellentes. Associé à un Alex Abrivard marchant sur l'eau, c'est une base intégrale pour le Quintet Plus. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Déco de Tilou. Véritable dur à cuire, si Christophe Martin su fait prendre les commandes de l'épreuve, alors il va assurer le spectacle durant tout le parcours. En quatrième position viendra le numéro 15, CD. Passant à côté de son meeting hivernal, il ne fait aucun doute que Jean-Michel Bazire a mis les petits plats dans les grands pour ce magnifique engagement où elle se présente en tant que pluriche de l'épreuve et où elle peut sauver son hiver. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, El Santo Ofor. Christian Bigeon l'aime beaucoup, Charles Bigeon son pilote également, et comme il affiche une belle forme, il faut lui faire confiance dans ce lot. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 3, Heading Reference. Jean-Michel Bazire le confie à Nicolas Bazire et comme il est présenté sans chaussures, il faut lui accorder un peu de crédit. En avant-dernier choix, le numéro 12, Cagnard de Béton. Il est régulier dans l'ensemble, mais malgré son âge de 10 ans, pardon, avec l'aide de Franck Nivard, il peut espérer accrocher une place. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Forum Mélois. Gaby Gélormini le connaît sur le bout des doigts et c'est le jour pour remettre les pendules à l'heure. En cas de non partant, le numéro 8, Vlad Del Ronco, que nous préférons sur les tracés réduits, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono vise juste en indiquant le tiercé dans le désordre ainsi que le quartet dans le désordre, ce dernier affichant tout de même un rapport de 250 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la fameuse description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière évidemment privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.